Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. M'a rappelé ou sous Chanel Paul, ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est un grand plaisir, un grand privilège, je dis, pour nous croiser dans un moment côté que situation politique pays a dégénéré, nous besoin de solutions, nous besoin de réponses avec problème Haïti. Eh bien, dans l'émission, je dis, là, non seulement nous avons invité surprise pour nous, mais c'est l'occasion pour nous, ouais, ensemble, deux points extrêmement importants. Premier point, c'est qui s'allie, nous allons parler de ingérence communauté internationale, là, dans ce qui est pour avec les grandes décisions politiques en Haïti. Et deuxième point, c'est qui place, qui rôle oligarchie a gagné sous scène sociopolitique, voire économique en Haïti. Bah, il a changé net tout. L'on a parlé de l'ingérence communauté internationale, l'on déjà ouais Haïti sous tutelle ou bien Haïti sous protectorat ou bien Haïti occupé. L'on a parlé de oligarchie corrompue, nous déjà ouais n'exagère qui dans système non, qui a mis de stabilité, qui a mis de sécurité, qui a créé violence en deux pays. Donc déjà, mes vidéos, partagez l'émission, partagez vidéo. Et vous-même qui a regardé vidéo là, qui pourquoi abonner à la chaîne là, pas hésiter à faire ça parce que là, guin bagay pour qu'on y surtout, restez connecté. Hey, aucun problème bon, bagay la petit, restez la balle. Zas of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour l'an même. Ça pourra le permettre de rallonger bien. Belle longueur vle, épaisseur vle, pour moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon yam. Et ou même qu'a fait revenir. Ah, madame n'a pas vlo nan kaila. Kout ki lot fait pou pou. Ou fait bec à terre? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gebon, yon traitement 100% naturel pendant 90 jours, tout bec a été fini, zafo réglé dans bon timamé. Tout garçon qui a utilisé entre 15 à 75 ans, ou pas besoin de peur. Produit 100% naturel, yon testé et approuvé. Relé dans 514-886-97-76 ou bien dans 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur website là, www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Nous souvent ouais sous scène politique là, bon ensemble de décisions qu'a prend en Haïti qui concerne l'avenir politique pays, hein, qui concerne stabilité pays. Hein. Politiciens nous yo toujours marre tant pou crabe. Réflexe c'est qui s'allier, c'est blanc qui a décidé. C'est blanc pour décider, c'est blanc pour ba avalio, c'est blanc qui pour et qui pour décider qui côté et Haïti pour aller, qui côté Haïti té etc. Dans ça qui gagne pour avec élection, c'est eux même qui pour fourer bouche pour déterminer est-ce que élection t'est bien faite, est-ce que le pas bien faite, est-ce que t'est gagne fraude etc. Ça c'est typiquement ça nous relé ingérence. Et ingérence manifeste sous deux formes. Dans ça qui gagne pour avec politique en dedans pays. Ou gagne OEA là, lui même c'est tête de pont. C'est chef de file là. Dans ça qui gagne pour avec élection, choix président, choix sénateur, choix élu en Haïti, ou gagne OEA qui toujours là, cap ba dicter, cap déterminer comment choix doit faire, cap déterminer qui est pour mettre président, qui est pour mettre premier ministre, comment gouvernement doit constituer etc. Yo toujours là. Yo pas nan dormi, yo toujours là. Voter, pas voter. Choisi, pas choisi, y a choisi pour. Et c'est ça qui fait extrêmement important. Lorsqu'un candidat, je dis là, ou favoriser, ou privilégier, ou faire confiance, ou marcher avec, ou quoi dans le programme, ou quoi dans sa rien comme perspective, dans sa vente, ou comme programme politique, etc. Toujours attendre que la communauté internationale a toujours venu pour influencer. Et nous vivons ça avec Jovenel Moïse. Ah oui, nous vivons avec Jovenel Moïse. Nous avons PHT qui a choisi Jovenel, mais il vient avec Jovenel Moïse comme pour l'elle. Étant donné que la communauté internationale a déjà tapé Mateli, a couru Mateli, il a fait de même avec Jovenel Moïse jusqu'à ce que il vienne la gueule dans la route, il a livré, il a assassiné. Deuxième bagarre, nous avons une gérance communauté internationale dans ce qui est pour avec des missions.
des missions de maintien de la paix. En pile fois yo dou c'est assistance, en pile fois yo dou c'est en mission qui gien pour avec coopération, en mission qui gien pour avec justice, nous passer MINUSTAH aller nous prendre mini juste. Vous comprenez? Nous venons dans BINU, bureau intégré des Nations Unies, etc. Donc, là n'a parlé de mission que communauté internationale a fait dans pays tant qu'on Haïti avec différents autres ça nous considérer comme petit pays yo ba yo différents non yo ba yo et non mission de maintien de la paix yo ba yo non mission et armée côté que des soldats qui viennent etc. Mais à tous les coups c'est pour yo ka faire influence au passé, c'est pour yo ka faire décision au passé, gon canal de décision, canal de communication que yo toujours utiliser les nous wè yo dou communauté internationale li présent ni influent. Pour qui ça jodi an la ou gen BINU, pour qui ça jodi an ou gen corps groupe, pour qui ça jodi an ou gen influence premier ambassade américaine dans ça qui gen pour avec décision politique en Haïti, parce que yo pa vle haïtien décider de par lui-même, yo pa vle acteur politique yo décider de par lui-même, étant donné nèg sa yo qui sous scène politique là, nèg sa yo qui rele tête sur et politicien son paquet opportuniste yo, nous wè ça avec mouvement Petro Challengers hein? Un mouvement populaire comme ça pour demander Côte Bétro-Caribéen, ou un groupe politicien, ou gen André Michel, ou gen Yuri La Tortue qui a accaparé mouvement, et puis ils ont tendé à écraser mouvement. Mouvement qui est divisé, ou un groupe Petro Challengers qui est échangé camp, qui vend conscience, qui vend mouvement. C'est de même, il y a un paquet de décisions qui prennent dans le pays, côté que il y a un paquet de politiciens tout même qui accommodé yo, qui pa gen l'autre travail, qui pa gen l'autre mission, son paquet espion yo et pour communauté internationale là, parce que tout ça yo fait depuis l'heure sur scène politique là, c'est voler l'argent dans caisse l'État, investi aux États-Unis, investi au Canada, investi dans grand pays ça, pendant que yo même par rapport avec ça qui a passé en Haïti, yo pas ni nationaliste, yo pas ni patriote, son paquet apatride, son paquet prostitué politique yo. Donc je dis on va comprendre ingérence communauté internationale là dans vie politique en Haïti, sous scène politique. C'est parce que nous avons des acteurs, nous avons des décideurs qui ont même choisi, ils ont ouvert barrière, ils ont laissé le champ libre pour gagner influence, pour nous trouver nous en situation côté que nous avons dicté de l'international. Gen ambassadeur, ambassadeur après ambassadeur passé dans ambassade américaine, yo passé ambassade de France, yo passé ambassade Canada, yo passé Espagne, yo passé Allemagne, etc. Toujours les mêmes bagailles. Gede don ki a fait à travers agence interaméricaine yo, ou prend FMI, ou prend BID, ou prend Banque mondiale, Haïti toujours dans même point. On paquet l'argent de caisse pour développement, on paquet l'argent de caisse pour création d'emploi, Haïti toujours au point mort. Pour qui ça? Posez-toi toute question ça. Alors ce que je dis, on a parlé de progrès économique, on a parlé de stabilité politique, on a parlé de sécurité. Parce que à travers tout le monde qui constitue la classe politique qui constitue l'élite économique, il y a des traites, il y a des conseils. C'est mon zayo qui constitue ça, nous carrément l'oligarchie. L'oligarchie, c'est pas forcément et négnorer les bourgeois, c'est pas forcément négnorer les grands négios, négnorer les mulattes, etc. Ou pour regarder dans même cercle oligarque corrompu, ça, il y a des haïtiens au service même de l'élite économique. Il y a des haïtiens, des hommes politiques, des femmes politiques qui ont même ces petits sous-sous, ces petits chemboutes qui mesurent ça. Pour qui ça? Parce que l'intérêt supérieur de la nation haïtienne, intérêt météo, intérêt payant, nèg sa yo pa prioriser, c'est ti intérêt mesquin. Comment yo ka fon 10,000 dollars, en 100,000 dollars, en 10 millions de goud. C'est ça qui intéresse yo. Et c'est ça que fait Jovenel Moïse, li assassiné comme ça, yo tué le comme ça, condamné comme ça parce que li était entouré de un paquet de traite. Li était entouré de un paquet de monde, il était pensé que tes amis, ce sont de faux amis et puis jodi an qui fait alliance avec l'oligarchie, qui fait alliance avec la communauté internationale, yo met ensemble, yo assassiné Jovenel Moïse, yo assassiné bataille qui t'a mené contre structure ça, bataille qui t'a mené contre sexe ça, qui yo même yo accaparé au pouvoir d'État, qui yo même yo accaparé yo et marché économique, marché financier en dedans pays, hein? Ou pral wè jodi an, ou pral di malheureux ka fè maquette, ça son sujet moi m'ai toujours aimé pour nous débattre. Combien de fois attendez en dedans pays ça, attendez malhéré gè maquette. La fè boutique, la fè bazar. Gon lòt nan yon bali oui et m pa konnè. La fè ti dépôt, la fè mais jamais en maquette. Jamais en maquette parce que premièrement,
Côté grand nèg, là par exemple des limotes, yo boulé des limotes, côté boulos té al prend l'argent. Nan ona. Ona côté que malheureux a payé, yo a prend cotisation sous dur labeur, sous travail misérable, sous petit salaire misérable, y a payé employé, y a payé travailleur, y a fait cotisation nan ona pour grand nèg. Pour oligarque ça yo. Pour nèg sa yo k'ap krasé pays, pour nèg sa yo ki gagne et yo exonéré, pour nèg sa yo ki gen franchise déjà, pour nèg sa yo bay zone franche déjà, c'est yo même ki gen accès à ona, c'est yo même ki gen accès avec ressources pays, c'est yo même ki gen accès avec ressources économiques, avec richesse pays. Pour ki ça? Parce que bon groupe nèg sous scène politique la k'ap bay avantage. Avantage nèg yo joine nan, faut que j'ai nous calé. Pendant aujourd'hui, on a parlé de l'ingérence communauté internationale qui lié yo amitié avec oligarchie, avec oligarchie, avec système politique pesé sous les ombres. On va comprendre que avantage, intérêt que bourgeois ça yo, que oligarque ça yo gagne, c'est politicien haïtien qui baïol, c'est autorité haïtienne qui baïol, c'est président, premier ministre, ministre, secrétaire d'état, député, sénateur, magistrat. C'est eux-mêmes qui baillent avantage. Tout avantage, yo gagne. Toute exonération taxe, toute exonération, yo gagne sous franchise, tout ceci, cela, avantage, yo baillent avantage financier, avantage fiscal. C'est autorité locale, nous, c'est autorité nationale, nous, c'est eux-mêmes qui baillent nous, qui baillent nous. Moun kap décide pour nous, kap décide avenir pays. C'est eux-mêmes qui baillent voler, ça yo avantage en dedans pays pour craser pays. Yo même qui baillent quatre vertes, qui baillent laisser passer, qui baillent droit, qui baillent accès pour yo faire ça yo voler en dedans pays pour craser pays. Maintenant, moun sa yo ki a lié yo avec communauté internationale, parce que tout l'argent yo fin volé en Haïti, tout l'argent yo fin fait sous dos peuple, côté yal investi, yal investi aux États-Unis, yal investi au Canada. Donc, en retour, fok pays sa yo cherche une façon pour yo protéger moun sa yo. C'est investisseur yo et la kay yo. C'est moun sa yo kap bay rendement sous scène économique la kay yo. C'est moun sa yo ki a mette l'argent dans l'économie pays yo. Donc yo gen tout intérêt pour protéger, c'est ça que fait wapwè le Samir Dal qui était Haïti là le réfugié les États-Unis pour qui ça pendant que y a voyé FBI pendant que y a voyé différents autres gens de renseignement vinn sous sol là la vinn enquêter sur assassinat Jovenel Moïse yo pas de jambe di autorité que Samir Dal était la caillou pour qui ça poser des questions réponse simple Samir Dal est un investisseur aux États-Unis. Li gon paquet l'argent injecté dans l'économie américaine. Non, l'acheter gros villa aux États-Unis, yo gen business aux États-Unis, c'est normal que États-Unis que américain protège intérêt yo. Ou pral comprendre, son jeu tout petit risque qu'a fait. Les perdants, les vrais perdants, ce sont nous les Haïtiens. Li pa ni et Samir Dal, li pa ni américain etc. Parce que Samir Dal, s'il faut le protéger, à protéger le coûte que coûte. Et d'ailleurs, information qui arrive jeune moi, c'est que la Turquie mande gouvernement haïtien ensemble de preuves. Ah, il est chargé net. Yo mande preuves participation bien preuves culpabilité Samir Dal dans assassinat Jovenel Moïse. Bon compte, si c'est pas juge pour faire Samir Dal parler pour établir lien de cause à effet pour ouais oui mais comment Samir Dal t'est participé mais comment il t'est payé etc. Côté on va le courrier à jeune pour al balier d'ailleurs. Juge d'instruction n'est pas un juge de preuve. Juge d'instruction n'est pas un juge de preuve. Il est un juge d'indice, la chercher indice, la pour recueillir données, la pour recueillir information, pour établir véracité fait, pour établir culpabilité que Samir Dal a gagné. Parce que jusqu'à date, il y a une présomption de culpabilité sous doule. Jusqu'à ce que l'instruction dossier Jovenel Moïse li fini pour déférer mon déférer devant le tribunal criminel là, tout le monde qui l'a présumé coupable, il y a beaucoup coupable. Donc je dis là, gouvernement haïtien il a coûte que coûte responsabilité pour collecter toutes les informations nécessaires pour permettre à ce que Samir Dal retourne à Haïti. Je ne sais pas si Samir Dal va me retourner côté. Oui. Donc, vous pouvez comprendre que oligarque sa yo, moun sa yo kap tout pizi pe pa isyen, moun sa yo ki mette gros usine yo, gros factory yo nan parc industriel la nan sonapi en bas, tout intérêt américain protéger, c'est intérêt pas moun sa yo, pas protéger intérêt travailleur. Même l'autre de gaz monté et 17 autres là, c'est pas intérêt travailleur haïtien kap protéger. C'est pas intérêt
nèg sa yo ki sou sèn politik la, yo vin protèje, yo vin protèje entere oligak yo. Parce que oligak lan li liye directement avec les ambassadeurs, les consuls, donc li liye avec la communauté internationale. C'est vrai. C'est tellement vrai que jodi an la, pap ka gen Haiti, nouvel Haiti n'ap preche, nouvel Haiti nou vle, d'autant nou pa konprann sa ki rele oligarchi konpi. D'autant nou pa konprann sa ki vle di ingérence communauté internationale nan décision politique en Haiti, nan koze élection, nan koze mission de maintien de la paix, nan assistance etc. Y a vinn ban, y a propose y a vinn aider nou alors que c'est piller, y a vinn piller nou, c'est instabilité y a vinn créer la caille. Nou gade sa ki pase la matisan. Monsieur Ofin envahi, Ofin pour son commissariat Matisan d'Asso et puis hissé drapeau américain là dedans. C'est fou, c'est tellement fou que et n'a pas gardé réalité pays, nous n'a pas gardé réalité politique là. Nous besoin réponse, nous besoin réponse, nous besoin bon genre réponse. Moment arrivé pour nous recevoir ensemble là, inviter nous pour jodi dans l'émission docteur James Joseph Avel, nous pral continuer parler de deux points ça on s'est annoncé nous là. Jean ça t'a déjà annoncé jodi là dans l'émission mon éditorial, qu'on invité tout à fait spécial. Moi côté pour nous qui pral aider nous comprendre très bien ça va passer en dedans pays en de point de vue politique et surtout dans ça qui vient pour avec les grandes décisions qu'a prend décision politique, décision économique qui gagnent portée et sociale. Et bien avec docteur James Joseph, on va quitter le champ pour présenter très brièvement à public là. Nous allons aborder deux points essentiels. Premier, on va parler de ça qui vient pour avec ingérence communauté internationale là dans toute grande décision politique qu'a prendre dans pays là. Et non l'autre point, on va parler de ça qui vient pour avec secteur oligarchie corrompu qui c'est moi. Après assassinat Jovenel Moïse, yo toujours opulent, yo toujours et gen même impact, gen même poids dans balance en dedans pays. Docteur James Joseph, bienvenue dans l'émission Mon Éditorial, ça fait mon grand plaisir pour vous recevoir aujourd'hui. OK, ça fait mon grand plaisir tout pour moi rentrer à vous Yannick et pour nous parler pays. Bien. Ou ta font ti présente au public, non, c'est sûr que mon yo et visage a pas inconnu parce que ou te présenté déjà dans l'émission ou t'es invité non. Jodi an la on va parler en noyant l'os des sujets qui très intéressants que mon yo ta aimé et qu'on est surtout à la profondeur. Donc pas faire mon yo ça. Font ti parler mon yo de vous même quand même. Oh. OK. C'est généralement depuis part au cap mon cap connaît comme ingénieur James. Dem descend airport là tout ce que me gagne yo prend tout yo jeté dans fatra son seul titre bon ingénieur James parce que c'est comme ça que yo te connaît. Mais cependant avec le temps nous décrocher doctorat dans plusieurs niveaux et que nous capable dire que nous même c'est un docteur. Mais ça qui est beaucoup plus important, nous faire des études spéciales qui permettent que nous comprenions le phénomène qui a passé dans le pays. Parce que moi-même, c'est un alumni, ça signifie que moi, c'est un monde qui est gradué dans l'école, qui est l'école spéciale qui allait à l'encontre de traditionnel système économique que tout le monde toujours parlé de yo, capitaliste, communiste, socialiste, mais cependant, c'est l'école qui fait analyse et critique de tout système ça, que y aurait les Henry George School of Social Science in Manhattan. Il pas vraiment formel tant que l'école traditionnelle, yo, mais comme si il formait monde qui est capable de voir bien yo d'une manière claire, sans parti pris, sans coupabiliser. Et là, c'est en vertu de connaissances que je gagne, et connaissances que je gagne dans l'économie, et connaissances que je gagne dans l'histoire, parce que nous avons fait droit, nous faisons gestion, nous faisons toutes les choses qui permettent, et l'amour que nous avons payé à tout, tout ça permet que nous beaucoup plus avisés dans l'approche que nous avons fait en vertu d'une série de phénomènes que nous avons observés, mais en plus le monde pas qu'à comprendre. Son long palmarès sur la docteur James et parce qu'il est très utile pour la communauté haïtienne et surtout dans sa nouvelle traité comme point de débat aujourd'hui en a. Docteur James, c'est tout le temps
peuple haïtien a parlé de communauté internationale, de pouvoir ingérence qui gagnait lors d'un milieu qui constituait, lors d'un corps groupe qui constituait, même à travers l'ONU. Nous, ouais, qui pression, nous, ouais, qui pourra regagner un balancé dans ça qui vient pour avec et grandes décisions politiques en Haïti, que ce soit dans l'élection, que ce soit dans choisir le gouvernement, etc. Eh bien, je dis une question que je me pose par rapport avec le pouvoir d'ingérence communauté internationale. C'est qui principal axe ou bien qui moyen la communauté internationale d'utiliser pour le mettre, pour le montrer autorité, pour le montrer pouvoir en dedans pays, dans sa qui est avec décision politique. Bon, première approche que nous devons gagner, c'est comment que moun sa yo fait trouver sur le territoire national. Depuis 1889, que nèg yo envisage pour yo vin pran Mol Saint-Nicolas. Pression faite sous président Hippolyte. À ce moment-là, nous avons un garçon vaillant, un ténor firmé, qui était responsable à l'affaire extérieure. Là, il est allé sous le côté président Flavien Hippolyte. Flavien Hippolyte dit lui, il n'a pas de deal avec lui, parce qu'il y a un monde qui est responsable à l'affaire extérieure, c'est avec lui au deal. OK. Il est allé côté un ténor firmé, d'où on sait que territoire ça, parce que vous songez, il y a une présentation comme tu as fait déjà, que tu as parlé de l'article de constitution de 1805. Article 12, 13, 14, qui d'où qu'on s'accue pas aucun étranger qui a vine sous territoire national là à titre de maître ou bien à titre de propriétaire. En 1850, yo envisageait pour prendre Mol Saint-Nicolas justement pour être capable de contrecarrer l'expansion système communiste dans les Caraïbes là. OK, nous gourmets. Malgré toute pression que vous faites, que nous ne pouvons pas au Mol Saint-Nicolas, et c'est ça que nous avons allé, il prend Ben de Samana en République Dominicaine. Côté République Dominicaine, tu es loué pour 99 ans pour 25 000 dollars. Et c'est comme ça que nous avons eu un contrat avec Cuba, malgré que le contrat a terminé. Cuba dit, il n'a pas renouvelé, il n'a pas jamais quitté Guantanamo. Et c'est comme ça tout. Si que Flavien Hippolyte, avec un ténor firmé, tu es d'accord pour pas au Mol Saint-Nicolas, il n'a pas Mol Saint-Nicolas jusqu'à présent, il n'a pas jamais quitté Guantanamo. C'est même 1889 là, qui vient mort. Qui vient mort 1915. Égal, l'égo. Utiliser un prétexte avec oligarchie qui toujours en dedans pays parce que premier bagage pour nous toujours mettre dans tête international là pas marcher sans oligarchie en dedans pays là de pour parler de oligarchie ou pas parler de international là qu'on soit de dire rien parce que nexayo pas haïtien même si on fait en Haïti ou après groupe bandeur qui a 3 4 5 6 passeports. Ils ont utilisé Haïti simplement comme un tremplin côté pour faire l'argent. Mais ils n'ont pas aucun intérêt dans Haïti. Et ils ont toujours un intérêt dans l'occupation. Et c'est ça que à chaque fois que ils ont un problème, c'est ils qui en premier à demander pour une occupation. Mais gros bagaille, vous comprenez. Leur parler de communauté internationale, là, et à l'échelle internationale, il y a toujours un prétexte côté que différents pays qui regroupent ou qui réunissent, ils veulent montrer un processus de démocratisation à faire par rapport avec problèmes politiques, problèmes structurels qui viennent dans sa carrière de pays. Mais je dis alors regarder par rapport avec Haïti. Et premier, si nous avons considéré comme première action et d'influence ou d'ingérence communauté internationale, là, c'est à travers les années 90 avec et là nous avons gagné première élection démocratique Jean Carré le 90 le Aristide. Mais je dis à la remontée, le regard de remontée à l'époque Mol Saint-Nicolas était voulu accaparer. Donc
Ça veut dire que depuis longtemps, nèg yo là, y a fait pression sur Haïti. Depuis longtemps, nèg yo a fait pression sur Haïti parce que yo envisageait Haïti non seulement pour richesse que nous gagnons, deuxièmement pour position géopolitique en nous. Parce que position géopolitique, parce que tout le monde est en train de dire, ah, parce que vous prenez le monde qui ne comprend pas là, vous dites Haïti, son pays qui est pauvre, son pays qui n'a pas rien. Position géopolitique là seulement vaut des milliards de dollars. Position géopolitique là, pour Nebio, il y a toujours un petit intérêt que Nebio a Haïti. Nebio a de gros intérêts en Haïti. Et puis, deuxième bagage, l'air parle de démocratie. Qui est exemple pays dans le monde que nous sommes capables de présenter pour nous dire, mais on compte que nous avons porté démocratie, après l'air quitté, il vient plus bon, il vient plus productif, il vient plus belle. Non, beaucoup est ça. On dirait que côté, on passe, c'est crasé, on crasé, oui. Nous avons l'IPI là tout près nous là. Nous avons l'IPI là tout près nous là. Là, l'autre jour là, Kadhafi prend l'IPI au côté de pays qui est dans le désert, que nous se porter de l'eau en dedans. Soit côté là, il prend de l'eau, puis porter en dedans l'IPI, côté tout le monde qui robinet là, car nous pouvons gagner ça en Haïti jusqu'à présent. Parce que nous-mêmes, nous chita sous de l'eau. Nous chita sous de l'eau. L'autre en dedans, car nous ne pouvons pas l'ouvrir au robinet. Pour jouer de l'eau. Pendant ce temps, Libye, qui est un pays désert, nous sommes cherchés de l'eau tout partout pour t'aider dans Libye. Les gens, si moun fait en Libye, premièrement, l'eau marié, ou fin marié, Kadhafi bon droit à un caille. Ou fait un premier petit moun, il mettait 40 000 dollars dans la carte, un petit moun, toujours. Tout le monde a droit à l'éducation. Nèg yo sous prétexte Kadhafi son dictateur, nèg yo entré en Libye, nèg yo crasé Libye, mais qu'on y a paraître en Libye pour eux. Libye puis mal passé Haïti qu'on y a. Yeah, yo rasé les nerfs, c'est guerre, c'est affrontement. Nos pays riches, qui gagnent l'or là-dedans, qui gagnent pétrole là-dedans, Libye vient puis mal passé Haïti qu'on y a. Donc, si bien comprendre là, on a parlé de communauté internationale, on a regardé et nouvelles formes d'ingénierie politique qu'ils ont fait. On dirait que dans tout pays qu'ils ont passé, c'est exclusion qu'ils ont fait par rapport avec nouvelles idées, par rapport avec émergence jeune. Ils ont mis au rapport et puis ils ont crasé ça nous gagne comme institution politique, ça nous gagne comme système politique. Haïti, son pays spécial pour nous. Et Guillaume que nous n'avons pas jamais réalisé. C'est une question de deux poids, deux balances. Nous avons l'île d'Haïti qui divise en la République d'Haïti et la République dominicaine. Nous avons séparé un bord, il y a un stable et un bord, il y a un instable. Nous avons la République dominicaine, que nous avons tient à ce que la République dominicaine soit un pays qui est très stable. Et si la République dominicaine est stable, il faut que Haïti est stable. Si la République dominicaine a produit, il faut que Haïti pas produit. Ça c'est un travail qui est bien établi. Et là où on est dans le pays d'Haïti, c'est pour y assurer que le travail qu'il y a à faire pour que Haïti pas arrive aucun côté et que le travail ça a pas de monde qui vient en travers pour empêcher le travail à continuer. C'est ça qui fait que l'on parle de la République dominicaine, nous toujours pensé que Dominicain puis avancer, Dominicain puis penser, Dominicain aime un pays et que nous-mêmes nous parlons un pays. Ce n'est pas vrai, c'est pas ça. En République dominicaine, quel que soit l'investissement qui est en République dominicaine, il n'y a pas pour Dominicain. Sous pareil, il y a un côté, soit nous molles, soit nous maison qui a besoin de machines, ou bien on va paraître dans n'importe quelle industrie. Ou après, on Dominique paraît comme c'est maître. Son employé. OK. Oui, son employé dominicain. Son investisseur américain qui met. Parce que tout business qu'on a pris en République dominicaine, son investisseur américain qui met. Et c'est ça que fait. À chaque fois que il y a un petit problème, soit insécurité, soit bagarre en République dominicaine, ou les États-Unis en tête, et des fois avec plusieurs autres pays, ils viennent craser l'insécurité. Pour qui raison? C'est parce qu'il a protégé les intérêts américains en République dominicaine.
Mais on est d'accord avec que tout pays qui a évolué, qui a avancé le point de vue économique, c'est toujours investissement étranger. Mais pour qui ça, je dis, là, nous, en situation, pendant que les États-Unis, différents autres pays, ça, qui constituent la communauté internationale, là, il y a un petit peu ces hommes d'Haïti, alors que nous avons BID là, nous avons FMI là, qui a mis l'argent, qui a mis le don, qui a mis le prêt, etc., nous pas vraiment ouais, à qui ça a servi, d'un point de vue de développement économique, ça passe. Est-ce que c'est un piège, monsieur, vous mettez pour Haïti comme ça? Bon, mais ça passe. Il y a toujours tout ça que tout pays qui a développé ses investissements étrangers. C'est le principe de base, hein, ça y dit. C'est ça que y dit. Mais cependant, il n'y a pas toujours ça. Ou par exemple, en République dominicaine, Dominicain, il y a un problème normal. Groupe dominicain qui n'a pas à manger, groupe dominicain qui a vécu très mal avec les Haïtiens. Et groupe dominicain, si dominicain était bon comme ça, il n'y a pas de venir faire prostitution en Haïti. Groupe qui a été studio de Sibaga en Haïti. Ça, c'est un point pour prouver que Sibaga était plus bon déjà. Si que l'image que la République dominicaine te présentait, si tu étais ça, c'est un mirage que tu son illusion qu'il a fonctionné bien. Mais ce n'est pas vrai. C'est l'argent fait en République dominicaine, il est dans la banque aux États-Unis, non. Il est dans la banque, dans le compte, dans la 40 en République dominicaine. Haïti lui-même, il voulait Haïti, rester génial pour qu'il soit capable d'un consommateur potentiel, parce que les produits en République dominicaine, il a besoin ou même pour acheter produits. Et pour acheter produits, il ne faut pas produire ou même. Ah, et il y a une campagne qui fait sans ça pour craser la production nationale. Et là, pour craser la production nationale, ils mettent ensemble avec l'oligarchie en dedans pays et avec une série de politiciens, parce que c'est politicien pour au passé. Parce que les politiciens, parce que chaque politicien en Haïti, toujours c'est chaque politicien qui a un grain oligarque dans elle. Ah ouais, lui-même, il paraît devant l'écran et c'est lui qui a fait job là pour l'oligarque là. Les concepts de privatisation paraît, y acheter différentes industries que nous avons gagnées, minoterie nationale, cimenterie nationale, les finances ont fermé. Qui ça a offert, Kounier? Ils ont importé ciment, ils ont mis dans un sac. Qui côté ont importé ciment? Ils ont importé tout partout, même en République dominicaine, ils ont pris ciment. Ils ont créé des produits sur ciment local là, ils ont acheté en République dominicaine. À ta peinture, Obano. Voilà. Et qui moun ka bénéficié? Qui moun ka bénéficié? C'est oligarque ka bénéficié parce que c'est lui qui monopole du riz, c'est lui qui monopole ciment. Et Nawal qui te kon fè l'huile, il pa fè l'huile encore. Il pa fè l'huile encore, mais yon li même c'est yon qui monopole pour importer l'huile, pour importer l'huile dans le pays. C'est yon qui monopole tout bagay parce que l'en ferme bagay yon. Pays a pas produit. Mais yon même yon continue à faire quoi? Parce que c'est yon qui monopole l'importation. Privatisation. Que international, c'est l'aime de consacrer. International a toujours marché avec oligarque là. OK. Privatisation apparaît. Côté que nous avons fait du riz. L'aéro du riz à l'étranger était fini. Haïti, taxe à 35%. Entre 33 et 35%, taxe à terre. Parce que, il y a toujours pensé, taxe, c'est pour porter revenu à l'État. Mais taxe, c'est l'autre vertu. Il empêchait que produits étrangers viennent craser la production nationale. Quand il y a ou mettez une taxe de 35% sur un durée qui sorti à l'étranger, ça vient faire que vous n'avez pas vendu à trois bons marchés pour entrer en compétition avec la production durée nationale, quand il y a paysan qui a continué à planter durée. Ouais. Ça, c'est des subventionnés durée aux États-Unis. Ils ont fait Banque mondiale, Fonds monétaire international, Banque internationale de développement, ils ont fait pression sur le gouvernement Haïti pour réduire taxe de 35% à 3%. Scandale! Mais pendant ce temps, c'est même les politiciens qui sont là depuis 20 ans, ils ont peut-être toujours la laisse à faire. C'est ça que les nègres doivent dire. Les nègres doivent parler qu'ils ont une expérience dans la politique, ils ont une expérience dans la classe des pays. Mais les gens pas politiciens. Non, parce que l'acte politique, c'est les intéressés à la bonne gestion de la cité. Et pour prendre des dispositions en faveur de la nation, c'est les acteurs politiques.
L'homme politicien américain, même si on est un démocrate à goumer avec un républicain, mais l'autre est à goumer pour le bien-être de la nation. Ça a dit que moi, on solution, pas mal plus bon, mais tout l'air de gagner une solution en maillot. Mais nèg nou la ou pa ka ta patri parce que nèg yo plein l'autre citoyenneté, yo pa fè aucun intérêt en Haïti, yo pa gen business en Haïti, c'est seulement l'argent yo fè, yo prend dans caisse d'état et puis al dépenser là-bas, al investir là-bas dans le pays. Yo pa aucun intérêt en Haïti. Bon, nèg sa pa nationaliste, yo pa patriote, yo pa patriote. Non, sous chaque président, ça fait que ouais nèg sa qui devant, nèg sa qui devant, son façon pour ba haïtien responsable de problème Haïti. Ah, Haïtien pas qu'à mettre tête ensemble, Haïtien pas qu'à dire, Haïtien pas qu'à gérer, Haïtien pas qu'à faire rien. Mais l'autre jour, il y a un rapport qui sorti aux États-Unis, côté yo prouvo, parmi tout peuple qui est aux États-Unis, Haïtien c'est lui-même qui a plus potentialité en termes de nation qui a possibilité pour organiser. Mais ça passe la caille nous comme ça même la caille nous pas travailler nous pas montrer que nous avons bonne volonté pour nous c'est ça on veut nous dire que la caille nous pas montrer la caille nous pas capable la caille nous veut que nous culpabiliser tête nous culpabiliser tête on va pas mettre à faire condition créée on imagine aujourd'hui là qui est capable de tuer. C'est pas haïtien, c'est pas nous même encore, c'est l'on prend Martissan, on prend Tibois Granvin, même nèg sa par exemple, gen zam non, mais y a pas entre tuer une autre. Et le pire qui est tapé et podcaster, c'est victime innocent pour qui ça parce que yo pas en mesure pour yo wè réellement problème yo. OK, problème yo là. Yo konn qui est qui crée problème yo, mais yo pas en mesure pour yo mettre tête ensemble pour yo venir avec des solutions viables. Donc okay. C'est normal, y a toujours dit ça. N'est-ce pas très intelligent. Qu'est-ce que ça veut faire? Parce que ça que nous reconnaissons, c'est un travail qu'a fait depuis des dizaines d'années et que qu'on a ses conclusions en ça. Ça que nous avons observé là. Premièrement, nous avons crasé l'éducation. Nous avons mis le pays dans une situation que l'école, c'est 2-3 mois, il ouvre par année. Hein? Ça a été une net. Côté que gopil si moun ki pa a peine si nèg yo konn li et même les nèg yo konn li mais nèg yo pa même ka penser moun fin fè fin lo en Haïti mais sou pa rèt trois fois analyse yo pa ka parler pa c'est pas dit que son série de moun ki chaudé l'autre pou pays ou craser éducation là-dedans la pa débouche sou gang la pa débouche sou voleur la pa débouche sou assassin parce que nèg sa yo pa ka penser nation nèg sa yo pa ka penser pays. On va parler de la qui est extrêmement important, hein. Moun yo pour la plupart yo konn li mais yo pa ka pense. C'est ça, c'est ça nous prend, c'est notre hier ça nous prend. Parce que moun nou gagne comme autorité, on regarde les visages, on regarde les personnalités politiques yo. Vin avec au papier de devant, y a plus mais kounn ya font idée, font nouveauté sorti dans sans yo li. Yo pa en mesure pour yo faire. Yo pa capable. C'est ça ka goun banan yo qui doit pas méchant, mais yo pa ka yo seul bagaille. Il a passé l'école, mais il n'a pas compris le phénomène. Nan. Et on a pris un bon nom qui a tenté qui est doctorat dans le monde. Mais on a demandé comment il n'a pas fait une analyse petit ça pour voir côté bagaille la sortie et pour même pour quitter que il a utilisé. Et puis, principe du choc des idées, déjà il a la lumière, mais nèg sa nou gen la bataille. Ma kon choc qui ça, si c'est pouvoir, il a frappé ou n'a pas de pour yo bien à l'aise, mais monsieur, yo vraiment pas un problème là. Vraiment pas un problème. Et bien, tout ça, ouais, qu'a fait là, son façon pour que nous-mêmes haïtiens, à la fin, son outil était en nous, ça capable de quitter le pays, ya, après pour les gens eux-mêmes, les pour venir en Haïti pour besoin de visa, pour venir là-dedans. Parce que yo, c'est monsieur, yo, besoin de quitter le pays pour yo prendre eux-mêmes. Parce que nous devons ouverture. Parce que tout ça qu'a fait yo, bourgeois bénéficier. Les productions du riz écrasées et que Brandt a fait porter du riz en Haïti. C'est lui qui a le monopole qui a fait porter du riz. C'est lui qui a fait. Premièrement, il n'a pas payé taxes, il paye 3%. Et dans même 3%, et dans même 3%, il paye tout 3%. Parce qu'il a toujours un vacabon,
Ou ap toujou yon vagabond ki di konsa ke, sou ta pre paye $20 sou taxa, egal paye $5 pito, bam $5, ou a fe benefis $10. Nèg yo toujou fè fò deklarasyon. Ya, yeah, e konsa. E ke, se pa nou menm Ayisyen vreman, chan ke yo di bare la, se ta di ke yo mette ke Ayiti non situasyon, kote ke nèg yo ap tire fisèl la deye, e ke se yo menm kap akuz yo ankon ko pa kapab. Mais yo connaît tout ça pour yo ta fait pour yo quitter par exemple ou pas prendre initiative pour exploiter aucun pour exploiter sous-sol c'est nèg yo pour autorisation pour exploiter sous-sol mais c'est évident si n'a considéré jodi an la n'a regardé et assassinat président Jovenel Moïse par rapport avec nèg sa qui constitue oligarchie nèg sa yo qui yo même qui fait partie de communauté internationale là ça son point extrêmement important pour nous à considérer question sous-sol ça question exploitation parce que Jovenel Moïse nous ça c'est pour que nous capable développer tête nous sans nous pas besoin monde sans qu'il y a plein pour le Canada venir pour nous ba Canada contrat pour nous ba les États-Unis contrat pour nous ba la France contrat pour nous ba l'Allemagne contrat ou yo vin pou ba yo pou nya moun nan ki yo pouvoir yo la go ti bagay nan men mais pays a pas bénéficié rien pou yo prendre toute richesse ça envoyer aux États-Unis mais contrat que nèg maten li pa Clinton pour que il exploiter l'or en Haïti imagine un pays a exploiter l'or là-dedans les vie pour nous dans état ça mais c'est nan cours ça Jovenel Moïse prend toué nan parce que il te gen bon et moun k'ap supporter etc et puis le regarder li web PHP k'ap piéger nan question contrat ça mais nan comprendre question sous-sol question ressources naturelles yo c'est nous mêmes c'est travail ça qui pou fait pour informer population nous gen assez ressources qui ka développer Haïti nous pas besoin attendre ces blancs ces communautés internationales parce que yo pas gen aucun intérêt pour Haïti vraiment la communauté internationale pas jam nan sens pour Haïti développer moun sa c'est un peu comme si que ou que l'ennemi le vie pour c'est yo a mande conseil moun sa c'est l'ennemi d'Haïti yo ye. Et ou a pour que trois cas politiciens que c'est yo y a mande conseil quelque chose décision pour yo prendre le vie ou a tendre une bonne radio capture yo pas quoi ambassade américaine d'accord yo pas quoi OEA d'accord yo pas quoi Nations Unies d'accord tout voilà. C'est extrêmement important. Même je dis à mon tableau, c'est grand ténor dans la question journalisme, c'est grand ténor et dans micro, etc. Toute approbation, toute décision qui prend, qui a intérêt avec le pays, des décisions nationales qui sont supposées prendre, côté ces autorités conséquentes pour gagner des hommes vains là-bas dans le pays. Il y a tout le temps, il y a tout le chita, il y a quoi, c'est bravo, il y a tant de ces blancs qui nous décident. Nous sommes récemment là, et comment Daniel Foot vini, li font quantité et déclaration, li font quantité révélation, mais tout le monde content parce que yo wè Daniel Foot, un monde qui comme si qui sorti dans camp américain etc. Et puis li tourne en nationaliste. Daniel Foot vini pi haïtien que haïtien même. Tout le monde bat bravo, mais derrière révélation Daniel Foot a fait. Yo pa wè son question de lobby, son question et Daniel Foot changer cap parce que li gon intérêt en groupe la défendre, faut que li parler pour le montrer que je dis en là toute décision t'a prend et ambassade américaine, yo pas pour progrès Haïti, pas pour stabilité politique là, alors que Daniel Foot li pa gon aucun intérêt pour Haïti. C'est possible d'analyser ça pour haïtien gain parce que haïtien toujours penser que l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ami est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Yeah. Il pas comme ça vrai. L'ennemi de mon ennemi pas obligé mon ami. Parce que des fois, il y a ces problèmes par eux qui fait yo nan compte, mais pas parce que yo zanmou ni yo pou. C'est un coup ça mental, on pas de monde penser depuis que yon monde contre PHTK et que moun sa ketan pou yo. C'est pas vrai. Yon moun ka font déclaration ponctuelle à partir de déclaration ça qui ont déclaration nationaliste mais son déclaration ponctuelle que il fait. Mais pour qui ça que c'est celle grande déclaration ça qui fait.
Pour qui ça que en pile déclaration qui t'a dû faire avant pas jamais fait. Et pour qui ça après déclaration ça qu'on prend l'autre déclaration qui pas fait. Pour ça c'est celle grande déclaration ça depuis les nous avec ça nationaliste, c'est lui qui défend le pays, c'est lui qui dit c'est lui qui date. Mais bon pas d'aller il pas parler de eux. Docteur Joseph. M'sent-tu voulu parler de même Joseph là, oui? De Claude Joseph? Non, pas vraiment. C'est parce que, moi, parce que dès que ça y est récupérable, ce sont des gens qui valables, ce sont des gens qui valables, ce sont des gens nous qui a besoin, mais dès que ça y est récupérable. Mais il n'est pas suffisant qu'on y a si pas de travail qui fait dans monsieur pour nous accepter comme un monde qui est nationaliste, qui est patriote. Parce que monsieur, c'est une équipe bien éduquée, c'est une compagnie de bagaille où est monsieur entré là-dedans, une compagnie de groupe que monsieur a fonctionné ensemble avec eux. Eh? Comment on a fait guetant pour monsieur pour simplement une petite déclaration contre la République dominicaine pour guetant où est monsieur, c'est porteur. Non, il est possible. Non, non, une déclaration ponctuelle pas suffisante pour faire de rouille, pour faire. Non. Eh bien, c'est ça le problème des Haïtiens. Nous, Haïtiens, sont émotionnels, ils ont choisi leur émotion. C'est ça. On se sent bagaille qui permet de porter bourré, etc. Nous allons passer dans le deuxième point, nous, dans l'émission jeudi. Nous, exactement, dans le cinquième mois, et assassinat du président Jovenel Moïse. Docteur Joseph, comment ou ouais déroulement justice Jovenel Moïse là? Non, situation côté que juge instruction a travaillé et tant pour torture, gain lenteur dans procédure yo, gain lenteur dans audition yo, gain lenteur dans recherche témoin, dans recherche et différentes personnalités eux même qui c'est des présumés assassins, présumés suspects, présumés etc. Comment ouais justice Jovenel Moïse? On pense Jovenel Moïse en justice. Yeah. Non, tu peux ça, c'est ça toujours présenté. À chaque fois que gagnons un mouvement que nous pensons que à partir de mouvement ça après gagne une opportunité, une série de nèg qui étant infiltré et qui récupéré. C'est ça qui arrive, les que nous fin voyer du valier aller, peuple a prend la rue, a goumé, nèg qui étant entré dans mouvement, on bonne vacabon qui étant entré dans mouvement. Et que next ça apparaît comme politicien à part entière que c'est eux qui ca fait analyse c'est eux qui ca fait bagaille ils ont récupéré mouvement les filles ont retourné mettre même côté assassinat même ça avec nèg André Michel yo SDP c'est ça opportuniste next ça c'est opportuniste yo yo payé mouvement peuple yo entré là-dedans yo récupéré mouvement yo porté ba oligarque yo c'est pas menti c'est ça qui fait Dans le mouvement Jovenel, peut-être qu'il n'y a pas la route, peut-être qu'il n'y a pas l'excès, ok, si Claude qui est devant bagay là, ok. Là même, pendant que Claude en roi, il y a un conflit. Il y a un conflit rapide. Il y a un conflit entre l'OEA et Congo. L'OEA dit, monsieur, c'est où qui premier ministre, malgré Moussa qui a démissionné en route pour l'aller, mais comme gagnons vide, il faut Moussa arrêter justement parce que la République a besoin. Cependant, bon, l'autre qui a nommé, qui n'a pas été prêté serment, mais qui. Nommé, mal nommé. De l'autorité publique, parce que tout le monde te connaît qui a été nommé. C'est pour moi qui a été dit en dedans de caille. Tout le monde connaît qui a été nommé. Et gars, ça a été. Oye a dit, Claude Joseph, vous ou apprêté. Jusqu'à ce que yon l'autre président vienne. Claude Joseph, que tu as pensé que yon chita. Moi, c'est ça le problème que m'y a avec, si toutefois que il t'a attendu émission sa âme, m'a trouvé un message sa pour lui, parce que moi, le problème que m'y a avec, c'est parce que il t'a demandé pour la communauté internationale qui l'a dit dans le pays. Quel que soit le monde qui nationaliste, si yon leader valable, parfait pour jamais répéter parole ça. Yon haïtien conséquent, parfait pour jamais répéter parole ça. Quelle que soit la situation, ou pas pour demander pour bot étranger une pile sur le national. C'est violent sur souveraineté quand même. Yon haïtien, bon, c'est qu'on y est haïtien, moi haïtien à l'aise pour répéter parole ça. T'es bon, haïtien pas à l'aise pour répéter parole ça. C'est-à-dire que yon n'est conclude,
Même si on t'a servi avant, c'est eux qui t'a servi avant, c'est eux qui supportent, c'est eux qui mettent là, ou pas qu'à faire une déclaration publique pour demander les gens, parce que ou connaît la postérité pour juger pour parler ça. Mais dans le contexte Claude Joseph te fait là, c'est dans le contexte côté que tu es attendu pour aller en soulèvement, pour aller en sortir en masse, pour aller en revendication. La souveraineté nationale n'est pas négociable. Oui, ça on le sait, on le sait. Mais tout ça, les sous, pas demander pour bot étranger, vin fouler pour la chose. Ça, c'est ça, on le sait. C'est ça, on le sait. C'est ça, on le sait. Il y aurait sa gratification immédiate. Gratification immédiate, c'est là que une série de bagailles qui fait et que c'est ça que mon attend, les filles ou bien chance pour qu'ils joignent ça, ils n'ont pas attendu. Tout ça qu'a fait dans le pays, c'est pour nous-mêmes. Ils ont envie pour le pays, oui. Ils ont envie d'occuper nous, oui. Ils ont envie de mettre nous dehors, mais ils laissent nous pour tout. Mais pour qui ça, selon vous-même, ils ont refusé ou pas d'accepter le mandat? Pas accepter vos soldats dans le moment que Joseph t'a fait demander. Où t'es venu entrer, venu occuper? C'est pas comme ça qu'il fait, non, le plus souvent. C'est bon, ben, ils font déclaration la vie demain. Parce que toute ton préparation pour faire. Il t'a demandé une assistance, il va demander une occupation quand même. C'est pas ton occupation militaire pour comprendre. Non, il t'a demandé, parce que généralement, on ne peut pas demander occupation. Mais ça, comme assistance, c'est ça qu'il a besoin de demander, oui. Il a venu assister. Mais, non, docteur Joseph, nous allons aller dans ça, nous allons aller directement. Nous allons aller dans le journal. Nous allons aller dans le journal. Nous allons aller dans le journal. OK. Kennedy, président Kennedy, mourit jusqu'à présent. Il n'y a pas encore jamais un auteur intellectuel. En 2022, là, Biden a déclassifié le dossier. Ah oui, ça. Par contre, je te dis ça. Regardez. Ouais, depuis 1964-65. Depuis les ans, parce que j'ai mais bon les ans. Monsieur Mou, aux États-Unis, oui. Côté qui est FBI, côté qui est CIA, ça signifie que les nègres qui font bagay, et ces nègres encore qui font investigation, est-ce qu'il y a besoin d'auteur? Non. Eh, mais en Haïti, tout le monde est impliqué dans la mort. Tout le monde s'est impliqué dans le monde en Haïti. Les filles, nous voulons que pour nous joindre au terrain, quand nous n'avons pas joué. Nous avons débarqué, c'est pour bouiller pisse. Et c'est ça que, quel que soit le mouvement qui a fait connière, quel que soit le mouvement qui a fait connière, quand nous avons dit, oh, justice pour Jodel Mouye, justice pour Jodel Mouye, son perte d'énergie, c'est quoi qu'on va faire? Mais il faut quand même réclamer justice. On va d'accord avec. On va réclamer justice qui est important. Ce n'est pas réclamer justice qui est important, c'est pour que vous fassiez ça que Jovenel Moïse t'a fait et que vous tiez là, c'est pour que nous pouvons, pour que ça vous fasse, c'est comme ça n'a pas justice. Oui, combat aussi, c'est continuer, ça nous clé sur lui. Mais je dis alors, regardez, pourquoi on va être ça, alors on va être assassin qui joue pouvoir là, même si ça a qui vient de nous citer dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ou va regarder par exemple. Et juge exhumé qui ça le fait, le gâteau levé, c'est les sous et différents propriétés que vous avez gagné. Alors que vous avez posé ces liens dans le contexte, parce que vous avez gagné mauvais contrat, mais vous avez bon procès pendant devant la justice avec l'État haïtien, etc. Jovenel Moïse était tapé, monsieur, mais je dis alors, regardez rien qui ça veut faire, il vient ranger tout le bagaille. On regarde les pays à ce qu'il y a. Ça, la mafia de Pétionville. Nous faisons partie de la mafia de Pétionville. Tout le monde devant pour récupérer le mouvement pour eux. Mais pourquoi ça n'est pas? Bourgeois, pas j'en parle devant. Pas oublier, bourgeois, pas j'en occupe aucun poste. Bourgeois, pas j'en devant. C'est le monde qui devant qui fait travail avec eux pour eux. Mais pourquoi ça n'est pas Pétionville toujours pas un problème? N'est pas Pétionville finiment d'ailleurs? N'est pas Pétionville? N'est pas pas oublier! Hypocrisie pure et simple, franchement, mais quand même. C'est la poule qui te yele, parce que ça y a quoi dans la corruption. Mais on va d'accord avec, nous pas arrêter seulement
nous pas arrêter seulement dans un contexte nous rester n'a garder nous va du peuple là oui mais les grandes décisions qui doivent prendre par rapport avec ça Jovenel Moïse était commencé comme initiative bataille t'a mené contre en France dans oligarchie parce que moi m'a clair avant le parler de bataille Jovenel t'a mené contre oligarchie moi me toujours dire il t'a mené bataille contre un groupe monde dans oligarchie parce que Jovenel il était entouré d'un autre groupe monde qui fait partie de même cercle oligarque qui ont même des gros paquets de paysans là mais alors quand vous parlez de gros paquets de terre, des franchises etc, y a des zones franches etc, y a profite un paquet d'avantages alors que vous déposez un paquet de paysans donc bataille la vraie bataille qui doit mener pour restructurer pour restaurer l'état récamper figure haïtien son bataille côté que vous pas identifier aucun secteur vous pas identifier aucune couche vous pas identifier aucun groupe politicien son bataille peuple pour Haïti. Ouais, Ariel a fait un travail qui pas bon pour lui. Parce que même si on des peuples haïtiens pas dit rien, peuples haïtiens a regardé tout ça qu'a fait là. Next ça on des blocages. C'est next yo calé chez next ça à n'importe quel moment donné parce que les peuples après la rue pas qu'à faire entrer. OK. Bon, les peuples après la rue pas qu'à et justice où est justice là? Justice là c'est pas tribunal qu'a payer. Bon, docteur Joseph moi finir là. Docteur Joseph, nous allons finir. Le arrivé sur nous là, nous allons finir. Bon, dernière question, mon bien pour là. Qui ça aujourd'hui nous mérite faire exactement pour nous retirer à Haïti côté lié? Deux, trois mots seulement. Qui ça nous café? Même ça, Nicaragua faire. Élaborer rapide. Oui, parce que conseil de monde, nous pas besoin dans pays. Parce que pourquoi j'aime une révolution qui fait en Haïti vraiment. Chaque fois que commencer, il pas jamais abouti. C'est ça que nous dans situation ça. Toujours un travail qui commencer qui pas jamais fini. Là, on parle de révolution, on parle de bonne révolution, révolution complète, totale. Côté peuple arrivé dans le point, il n'est pas capable encore que l'obligé prend la rue. Marcher prend M. Sao qui pensait que il y a un monopole toute bagaille pour mettre le peuple dans la situation côté hier. Ou est Dimitri Mbadian, il a fini parce que le criminel doit retourner au lieu du crime pour expier. Mais c'est pas révolution barbecue à prononcer là, pas révolution jeunesse là. Docteur Jim Joseph, c'était un grand plaisir pour nous guérir l'émission, mon éditorial aujourd'hui. Et échangeant son échange qui très fructueux, me prend plaisir là-dedans, les messieurs que le public là prend plaisir là-dedans. Parce que faut que nous connaissions qui ça va passer en dehors du pays. Nous faut que nous connaissions que Nexao qui constitue l'élite économique, l'élite politique, Nexao qui prend pouvoir l'État comme bien maman et papa. C'est ça que je vois que les parler toujours mettre tous les trois ensemble. Et yon moun ou pas ka faire aucune analyse pour sou besoin solution problème là parce que c'est là problème là, c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que faut qu'on côté problème là, c'est ça en anglais le root cause analysis. Faut aller dans racine problème là pour capable résoudre problème là. Ou même toujours mettre trois moun ça ensemble. Premièrement, on prend oligarque que nous estimer que c'est bourgeois, il y a pas bourgeois pour Haïti. Même si y a du pays pas fonctionner sans bourgeois, mais Haïti qui a fonctionné sans ça. OK. On prend nex ça, on prend international là. Parce que l'ambassade américaine fait pour qu'on ait que... Parce que l'ambassade américaine entre dans trop sauce. Les ou décisions aux États-Unis, ils n'ont pas invité l'ambassade haïtien. Si l'élection fait aux États-Unis, l'ambassade haïtien n'a pas qu'à dire élection bon, élection pas bon. Pour qui ça que nous avons l'ambassade américaine en Haïti et que yon même c'est yon pour dire qui mounte pour premier ministre, qui mounte pour ministre et nous pas gen droit ça ici. Yeah. Pour mettre tout ambassadeur dans place à eux. Deuxième bagage encore, nous pas fait pour nous gagner personne qui n'a business en Haïti et qui gagne et qui consul. Nous pas fait pour nous gagner ça. Consul honoraire yo, cap déjà bien pays là. Next là, si y a pas ça ça, nous pas ca fouiller machine à eux. Si y a pas ça droit, nous pas ca fouiller machine yo.
C'est grave. Ou pas, monsieur Negro. Negro, premièrement, c'est Negro que nous considérons comme bourgeois. Pendant que tout Negro, c'est construire l'autre pays. Dans quel pays ça compte faire? Ça m'a fait aucun pays au monde. Docteur Joseph, nous allons finir, nous allons finir. On va faire un perdu et ligne idée. C'est le passant. Ma parole est vous. Vieux politiciens traditionnels, ça, yo. Pas de yon nan yon qu'on a fait confiance. Sans exception à la règle. Pas de yon nan yon qu'on a fait confiance. Eh bien, docteur Jim Joseph, n'a pas obligé qu'on ait la bouche de viande, c'est sûr que. C'est un réel plaisir pour me te guérir aujourd'hui en émission. Et c'est sûr que, ou pas payer. C'est pas le dernier rendez-vous avec vous. Comme toujours, Emédil. Émission mon éditorial, c'est pas seulement information et formation. M'gen mission pour m'toujours aller chercher pour te bail public là tout ça qui bon. Eh bien, je dis à la m'a présenté les produits Rosa. Rosa, c'est une entreprise locale 100% haïtien qui a évolué, nan mette sous marché à bon genre produits de qualité. Ou ap jwenn spaghetti dans produit Rosa. Ou ap jwenn du riz jaune dans produit Rosa, ou ap jwenn macaroni dans produit Rosa, ou ap jwenn savon lessive dans produit Rosa. De pou tande parler de Rosa, ou gen tan wè produit de qualité, ou gen tan wè bon prix, ou gen tan wè bon produit. Eh bien, si me choisi vinn présenter au produit, me choisi parler de li, c'est parce que li bon. Pendant n'ap kore production locale là, avec Rosa, n'a tout profité pour ses dos. Oligarque pour ses dos, Nexayo qui a accaparé et marché économique là depuis bien longtemps, c'est celle yo même qui a fait business, c'est celle yo même qui est entrepreneur, et bien avec produit Rosa nous vinn bay en riposte. Donc ou même qui à l'étranger qui intéressé pour bay un ami, un famille, un business en Haïti, ou ka contacter entreprise Rosa nan 28 13 01 40 ou bien ka toujours rele nan 36 99 94 02. Ou ap jwenn du riz, ou ap jwenn spaghetti, ou ap jwenn macaroni, ou ap jwenn savon lessive. Donc là, ou gen 4 ingrédients on moun ka vann, ka commence un business avec, donc pas hésiter. Moi-même faire confiance, manger du riz, tester du riz. Li pa boit de l'eau, li pa boit l'huile. Donc bon bagaille. Donc ou gen intérêt pour contacter, ou gen intérêt pour tester produit yo. Et très bientôt là, m'bral commencer vin avec produit Rosa yo. M'bral vin pote cadeau pour m'bral vin fò tester yo, m'bral vin fò goûter yo, tout pas inquiété nous. Donc là, pas hésiter contacter entreprise Rosa et pour plus d'informations. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remè pays ou et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral pas les pays, nous bral les débats, c'est toujours même Yannick là, même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.